La préparation, c'est alhamdoulilah, j'ai une Wannamis, ou Adna Yamis séance d'Oula, l'Oumna Adna séance Nathan, Inch'Allah, le groupe Midgarib, Inch'Allah, où on est prêt. Bah, la préparation, ça se passe bien, et je pense que le groupe il est prêt à affronter les autres équipes. Je sens une bonne dynamique dans le groupe. On n'a fait qu'une séance pour l'instant, ça fait. Je peux pas trop en dire, mais je pense que ça va déjà. Bah, c'est une fierté tout d'abord déjà, de représenter le maillot pour la Mauritanie. Et j'espère apporter le plus possible à l'équipe. Le stage a commencé depuis hier. Et c'est vrai qu'au moment où on a fait la liste, on pensait avoir un meilleur groupe qu'aujourd'hui. Mais par des situations différentes, on n'a pas pu recevoir tout le groupe. Et surtout l'absence principale de Ismaël Chancis qui s'est blessé le dernier lors du dimanche de son match. Il a eu une luxation de l'épaule et ça vraiment, c'était la déception du stage. Parce que quand un joueur s'absente pour des décisions administratives, c'est pas grave, mais quand il s'absente pour une blessure, c'est vraiment pas bien. À part ça, tout le groupe est bon, il est bien impliqué. On a eu à peu près 6 joueurs qui sont arrivés de France, plus un du Sénégal, un de l'Espagne, un et un autre de la Guinée. Donc ils sont tous, la moitié est en observation parce que c'est la première fois qu'ils viennent. Par contre, les autres, on les a déjà vus, on les connaît. Donc ils sont là pour affirmer leur présence et que le groupe continue à grandir. Par contre, par rapport à la préparation, on a privilégié le temps de jeu, les matchs, plus tard. Le stage est plus axé sur ce plan. On va réellement pousser les enfants maximum tous les 48 heures, ils jouent un match. Parce que dans les éliminatoires, ça va être comme ça. C'est pour cela qu'on est de toutes les sélections, on est celle qui va jouer le plus de matchs. Parce qu'on va voir comment les joueurs réagissent par rapport à cette charge continue des 48 heures. Et surtout, on voit réellement si on a tout le groupe au même niveau. Parce que, la plupart des groupes, en général, vous avez un groupe d'une vitesse assez supérieure et d'autres qui sont en moins. Là, ce qu'on essaie, c'est d'équilibrer que le groupe ait une seule vitesse de croisière. Voilà, en ce moment, l'objectif principal de ce stage. Oh, 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 oh.